Ça, c'est du chêne qui a été jeté ici de l'autre côté parce qu'il y a quelques chênes qui ont été abattus là-bas. Ça va encore, mais en fait, le principe, il faut les broyer assez tôt et ça se broie plus facilement. Donc normalement, tu exploites à quelle période et tu broies dans la foulée? Pendant la foulée, quand Quand t'as le on a temps? bien envie de s'y mettre. Ouais. Mais le mieux, c'est de. Nous, donc, une année normale, disons, quand on avait encore beaucoup de brebis, on taillait plutôt en automne. L'automne, donc les brebis mangent les feuilles, on met en tas, et cet hiver-là, on broie. D'accord. Là, c'est de l'hiver dernier. Ça peut encore aller, mais il y en a. Ça c'est de l'année d'avant même, je crois, ces tas-là. Et c'est moins bon. On voit bien que l'herbe peut pousser ici, sous les branches, hein, Ouais. quand les brebis n'ont pas le. Un peu de renoncule sur la partie basse, donc ça doit être moins. Le pH doit être un peu moins élevé.